Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Hang-On sur Sega Saturn. Jeu qui est sorti en 95 sur la console, donc ça fait partie des jeux bah, de la première... comment dire, de la première... les premiers jeux de la Saturn, hein, concrètement. C'est pas les jeux qui sont sortis le plus tôt, voilà. Sachant que la Saturn a une carrière assez courte, hein, vu qu'elle a floppé complètement, sauf au Japon. Enfin, il y a des jeux qui sont sortis jusqu'en 2000, il me semble. Le dernier jeu sorti Saturn au Japon, c'est 2000. Et du coup, là, on est en 95, donc on est, on va dire, dans la première vraie année de la Saturn, parce que Saturn est en sortie fin 94. Un petit peu avant la Play 1, hein, d'ailleurs. Du coup, bah, c'est parti dans un jeu de moto. Alors, vous allez voir, c'est assez vieux en termes de graphisme. C'est un jeu qui se veut un petit par 4, c'est-à-dire dans le sens où il y a un timer. Même le mode Time Trial. Il y a un mode avec du temps. On va aller voir les options d'ailleurs. On a le game level, les contrôles, Sun Moon, Sun Test. D'ailleurs, ce que je vais faire, on va rester en stéréo. On va se mettre en easy pour le début parce que c'est vraiment pas facile. Alors, transmission, c'est auto manuel. On va laisser en automatique. Eyesight on off. Je sais pas ce que c'est. Power slide on off, alors je sais pas si on va, mettre on, on verra ce que c'est. On a les contrôles. Donc on a, alors en plus c'est marrant parce que dans cette version on voit la manette, la manette typée Europe en fait. C'est pas la manette japonaise pour la Saturn. Cette manette, je l'ai, elle est franchement dégueulasse. La croix directionnelle est immonde, ça défonce les doigts, je sais pas ce qu'ils auront pris. Si vous devez avoir une Saturn en vrai, honnêtement, ou même un modèle USB pour PC, n'achetez jamais ce modèle-là, il est immonde. premier modèle, enfin le modèle japonais, modèle classique, en boomerang de base, est bien mieux que celui-là. Alors, donc je disais, right weight, left weight, en gros, avec les gâchettes, on peut faire un peu un strafe sur les côtés, gauche, droite. Bon, c'est très mal fait, mais bon, en gros, ça permet parfois de se diriger un peu mieux, légèrement mieux. Shift up, shift down, on n'en a pas besoin, mais c'est pour changer donc les vitesses. On pourra changer la vue, il y a 3 vues disponibles, même 4 il me semble, parce qu'elle a vu rade de pâquerette, et l'accélération, freinage, et les informations. Donc on a type A, type B, je vais laisser comme ça pour le moment. On va faire Power Sight, je sais pas comment on utilise par contre. On va faire Exit. Alors le son du jeu va pas très fort, peut-être que je l'augmenterai. Du coup, on va faire... attendez, je vais l'augmenter, tout simplement, ça sera peut-être plus simple. Alors attendez, tac, on y arrive. Tac. Parce que le son va pas très fort. Donc, on va monter un peu. Voilà, je pense que là ça sera un peu mieux. Donc, du coup, on va faire un mode de Time Trial pour commencer. On a plusieurs motos. Alors, les motos ont chacune leur avantage et leur inconvénient. J'ai envie de dire, comme tous les jeux, c'est la même moto pratiquement. Comme vous pouvez voir, c'est les mêmes modèles. Sauf que, elles n'ont pas les mêmes statistiques. Par exemple, celle-là, elle freine pas beaucoup. Elle a un très bon moteur, beaucoup de grip. Celle-là, c'est vraiment beaucoup de moteur, beaucoup de grip, mais pas beaucoup de frein, beaucoup de frame. On a un modèle qui a à peu près la verte, qui est bonne partout, sauf au niveau du moteur. On a la bleue qui est un peu différente. Elle a beaucoup de moteur, peu de frame et peu de brake. On a la noire aussi. je vais prendre la noire pour commencer, tiens, pourquoi pas. On a 3 circuits et on a d'autres versions, mais en mode, je crois que c'est en mode inversé, c'est pas dans le même sens. Donc, du coup, ça fait vraiment 6 tracés. Ah non, c'est une variante du circuit, pardon. C'est le même circuit par exemple qu'on a là, sauf que si vous regardez attentivement en bas, on voit que c'est une autre variante. C'est-à-dire que là, dans celui-là, le premier circuit, dans la première variante, on descend au milieu du circuit pour aller après remonter vers le CP. Si vous regardez la case en bas à gauche. Et par contre, sur cette version-là, ben on va continuer un peu plus loin. Donc en fait, on a 3 circuits et une variante de chaque pour ces circuits. Peut-être qu'après, on aura même le circuit à l'envers, à voir. Donc c'est parti. On va lancer la première, première course, mais ce sera un time trial, hein, mais il y a quand même un temps limité. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc c'est parti, je crois que pour accélérer c'est là, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ici, c'est là, c'est comme ça, ok. Ça
ça va être compliqué. Alors c'est parti. Donc on a bon, un menu que l'on peut d'ailleurs masquer. C'est pas écrit forcément dans la notice. Enfin, je crois que ça s'appelle information. On a dû le nommer comme ça. Mais en gros le menu en haut, on a les meilleurs temps. On a la vitesse qui s'affiche. Les rapports. Donc, par exemple je suis dans le cinquième rapport. Ensuite on a la kilomètre heure évidemment. Le nombre de tours 1 sur 5. Le temps restant. Et la position. Là par exemple je suis 1 sur 2 parce que j'ai une petite. J'ai un bot qui nous suit. Alors ne vous fiez pas au point sur le circuit, c'est un bug. Hein, vraiment dans le jeu original vous n'avez pas ce problème. C'est pour ça que j'ai hâte de vous faire des jeux en IRL parce qu'avec une vraie console ce sera mieux. Alors du coup, on a plusieurs vues. On va essayer de vous montrer ça. Voilà. On a une vue éloignée. On a une vue très très proche. Ici, qui est en fait particulièrement horrible à jouer, parce qu'en fait vous vous rendez compte que quand on tourne normalement une moto, bah, on est censé se pencher en fait, gauche ou droite, pour pouvoir inscrire la moto et la faire tourner. Mais là en fait non, on reste tout plat, c'est injouable en fait, c'est vraiment injouable comme ça. On a la vue donc un peu plus proche, un peu plus éloignée. Pour moi la plus éloignée ça sera toujours la plus jouable, en tout cas dans ce jeu. Et là on va finir notre tour, on a un time, voilà, 40 secondes il nous reste, on va essayer de faire les 5 tours. C'est pas évident parce que ça tourne assez vite, vous pouvez le voir là, quand je fais gauche-droite, c'est vraiment, enfin c'est impossible d'oser quasiment, on est obligé de tapoter. Sachant que bah, si on se prend le mur un peu trop fort, on va évidemment se planter. Et vous allez voir, les chocs sont assez, bah, pas forcément bien faits, mais en tout cas assez impressionnants. Il y a aussi quelque chose qui est assez marquant dans ce jeu. Je pense que vous l'avez remarqué au premier mètre fait avec la moto. C'est cette impression que le sol se dérobe derrière nous. On a l'impression qu'il plonge vers le bas. On dirait comme si c'était un rouleau en fait. Ça donne l'impression d'être sur un rouleau. Comme si vous étiez en train de monter un escalator. C'est très très bizarre. Ou je pense que plus parlant, les tapis pour courir. Ça fait penser à ça. Alors pour 95 sur console c'est plutôt joli, en vrai c'est plutôt joli, c'est le niveau d'un Ridge Racer hein, concrètement, il n'y a aucun problème à ce niveau là, par contre les circuits sont beaucoup plus courts, et bon après voilà, ça fait le taf, c'est sûr c'est très moche maintenant, mais à l'époque c'était pas mal. Ouais attention, on va essayer de passer. 31 secondes, je pense que je vais pouvoir ne pas avoir game over. Quand j'avais essayé en off, j'avais game over à chaque fois, je finissais pas 5 tours, mais j'étais en mode moyen. Donc là, en mode facile, quand même, je pense que je devrais m'en sortir. Bah, j'espère pour vous, parce que sinon, on pourra pas découvrir grand chose. Limite, ce que j'aurais dû faire, c'est faire le mode course directement, tout simplement, parce qu'on aurait pu découvrir les 3 circuits. Alors, on aura le temps de les découvrir, de toute façon, vu le temps que ça met, mais. T'as mis tendu. Voilà, donc après, pas grand chose à dire vraiment sur ce jeu, hein. C'est un jeu de moto, alors Manx TT est quand même bien meilleur que ce jeu, en tout cas sur Saturn. Apparemment, il y avait une version un peu plus ancienne de ce jeu, c'est une version qui est exclusive à la Saturn. Il n'y a pas une version PC, je crois, pour ce jeu. Alors, résultat, on a fait 3,50, première position, bon, je pense qu'ils sont gentils. On peut voir le replay, je vais vous montrer ça. Alors replay, je peux changer la vue. Donc là je ne joue pas, hein, ça se joue automatiquement. Je peux donc... Ah oui je vous ai pas montré mais je peux normalement... Alors si je me trompe pas de touche... je sais pas si c'est pas avec Select ou Start, je sais plus. Oui voilà. Avec le bouton X il me semble, on peut voilà, masquer les informations en haut. Ce qui fait qu'on a un peu plus de visu. Hein. Par exemple là on peut voir le temps restant, les kilométriques. Ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir un peu plus de visu. Par contre il me semblait... Il me semblait qu'on pouvait voir les vues de l'extérieur. C'est... Comment on fait d'ailleurs pour ça? C'est bizarre. Parce que quand on lance le jeu, qu'on est dans le mode grand titre et qu'on ne joue pas, il y a un mode démo en fait avec des motos qui tournent. Et dans ce mode démo, eh bien on a la vue extérieure. C'est une vue caméra qui suit les motos. Et c'est ce que j'aurais voulu vous montrer. Mais apparemment, bah on peut pas. Donc on va faire start. Alors XY and start pour... Ok, XY plus start. On va galérer, moi je vous le dis.
XZ plus start, je ne sais même pas quelles sont les touches XZ plus start. Donc ça va être compliqué. Je sais pas quelles sont les touches XZ ou start. Oh mon dieu. Les touches XZ. XYZ, donc ça va être celle-là normalement. Attendez. Oh mon dieu, c'est impossible. Je ne sais absolument pas. Écoutez, on va faire une pause, je vais relancer le jeu et on va se retrouver du coup pour le mode course. Voilà, de retour et je vous ai laissé du coup la petite vidéo, l'intro dont je parlais avec voilà, le mode où on suit avec la caméra les motos. Ah, ils ont l'air super lents en mode extérieur. Petite musique derrière, pas de son de moto derrière, c'est que le son du le son de la musique. En plus, on a des solides pas, j'ai l'impression, avec les statues. Allez, on va faire start. On va du coup lancer le mode course et je vais pas afficher le replay cette fois-ci pour pas me faire avoir une fois. Donc, options, par contre, si, par contre, les options, on va les chercher puisque je vais du coup rebaisser le niveau de difficulté. En power slide, je vais l'activer. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si on en aura besoin. GP Race, c'est bon. On a. Alors, je pourrais prendre une moto qui a plutôt tendance à avoir beaucoup de grip. Voilà, celle-là a l'air pas mal. Celle-là, elle en a beaucoup aussi. Oh, bah, tant qu'à faire, je vais prendre celle-là alors. Mais c'est la meilleure en fait, celle que j'ai. Allez, je peux choisir plusieurs circuits. Ah, je suis pas obligé de faire tout dans l'ordre. Donc, je peux. Bah, écoutez, on va voir le deuxième circuit directement. On va faire le Great Crimson Wall. Il va nous le dire normalement. Petite voix. On va tout de suite changer de vue. Alors je me dis qu'il va y avoir un super départ si on démarre avec le bon régime. Potentiellement. Je suis pas certain de ça. Mais en général c'est souvent ce qui se passe. Oula, par contre on est dans la terre, regardez. Ça, on perd énormément de temps. On est sur le... Eh oui, on est sur le muraille de Chine, tout va bien. C'est... c'est normal, c'est logique. Enfin, je pense qu'on a fait Mario de Chine, j'en sais rien du tout, mais ça y ressemblait un peu. J'ai ralenti complètement. Alors c'est très très... ouais, les chocs sont assez bizarres. On peut aller dans les stands aussi, j'en ai pas trop parlé. Mais on peut faire un arrêt au stand. Je sais vraiment pas quel est l'intérêt de faire ça, mais on peut y aller. D'ailleurs, je vous montrerai peut-être après. Je vais faire ma course tranquillement, on est sixième. On est dit, on n'est pas sur le Mario de Chine finalement, mais ça y ressemblait copieusement. Je me tais un peu, je vous laisse écouter la musique du jeu. Alors, faudrait que je trouve où j'ai mis le frein. Ça pourrait être utile. Pour l'instant, on est quatrième. Alors, vous avez pu voir aussi les accidents, comment ça se passe. Oh là 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 là, n'importe quoi. Alors les pilotes qu'on déboule là sont des pilotes à un tour, hein. C'est pas forcément les pilotes devant nous, sinon ça ferait longtemps qu'on serait devant. Et vous avez vu du coup le carton ce que ça donne. Franchement, c'est plutôt impressionnant. Bon, on va finir troisième. Sauf si j'ai redoublé dans le dernier tour, peut-être, non. Troisième, bon c'est pas mal. C'est pas mal, bon j'ai fait beaucoup d'erreurs bien sûr. En 2,57 il a fini à 6 secondes devant moi. Et donc il y avait 10 motos. Contre nous, si je dis pas de bêtises, ce qui est plutôt un chiffre honorable.
Alors j'ai perdu la manette, magnifique, j'adore quand ça fait ça. Ouais bon, ça m'arrive souvent, j'ai un problème de connecteur. Et du coup on va se retrouver juste après. Et du coup de retour. Ouais donc la manette vraiment, faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors, on revient en game level easy, on va découvrir le troisième, troisième circuit. Alors on va changer peut-être de moto, j'ai envie de prendre celle qui a le plus de grip possible en fait. Hein. Elle a 5 barres, là elle a 5 barres plus beaucoup de break. La verte peut être pas mal en fait, hein. Celle-là va être la mieux. Ah mais c'est quand t'as pas au route de frein, c'est pas non plus excellent. La rose... Bon celle-là a l'air quand même... c'est peut-être la plus... Oh, on a un circuit en ville. New Dwells, peu qu'on prononce. New Dwells Grand Prix. C'est plus homogène, voilà, c'est ce que je voulais dire en termes de moto. Et en plus, on voit les Twin Towers derrière pour dire à quel point c'est vieux. Ah, j'étais presque au bon régime. J'imagine que le bon régime, c'est quand on est en orange juste avant le rouge, enfin, je pense. Alors ça c'est censé être le circuit le plus difficile j'imagine. Donc on va faire attention, voilà on a bien pris la courbe. Alors en soi il faut y aller tranquille, hein. Enfin je veux dire il faut aller vite mais il faut plutôt privilégier le fait de ne pas faire d'erreur que d'aller comme un bourrin. On a des gros virages serrés. Je sais toujours pas comment on freine dans le jeu. Du coup je galère un peu. Allez, on tape un peu le mur à chaque fois. Alors vous allez m'excuser, je vais ne pas mettre la vue intérieure, parce que comme vous avez pu le... Oh là là, le triple choc, le mec il a rebondi. Comme vous avez pu remarquer, le frein... enfin le frein, n'importe quoi. La caméra intérieure n'est pas très exploitable. Ça a encore repris le mur. Ah, Alive c'est marrant, ça me fait penser à Elf. Sponsor sur les côtés. Il y a beaucoup de sponsors d'ailleurs, hein. Je pense que c'est des faux sponsors. Mais quand même, ils ont mis la dose. Toujours avec cette manie de mettre les consoles en sponsor. Enfin, je veux dire, le mec qui a sa Saturne, qui joue à un jeu Saturne, il sait qu'il joue sur une Saturne. Enfin, je veux dire, c'est débile, ça n'a aucun intérêt. Mettre les marques. Alors, peut-être à la limite quand il y a des images de jeux. J'ai fait la même bêtise. Peut-être quand il y a des images de jeux sur les journaux, par exemple un jeu de foot où on voit les sponsors pour se dire waouh, ce jeu il est beau, il est sur telle console. Bon, c'est vrai, pourquoi pas à la limite, mais là, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre quand même qu'on concepte. Dit le mec qui met les propres sponsors dans le championnat et ce Formula, alors qu'on connaît déjà le nom du truc, bon c'est pas grave. Allez, c'est parti, bon on est 6ème, j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal sur ce tracé. Alors je vous montrerai un arrêt au stand, enfin un arrêt au stand, un passage au stand. Peut-être pas ici parce qu'on est en train de galérer au niveau du temps. Il faut vraiment doser. Je pense que ces genres de jeux, alors je sais pas s'il est compatible avec la... Ah non, je pense pas, puisqu'il est sorti vraiment avant. S'il est compatible avec la manette, le contrôle analogique, avec le joystick. Parce que je me pense que ça serait beaucoup plus jouable avec ce genre de manette. J'ai réussi à prendre une passe. Pour pas faire de bêtises. La troisième place ça a l'air quand même assez loin. Je tape un peu le mur mais c'est pas grave. On va arriver sur la ligne d'arrivée et je vais finir quatrième. Bon c'est pas grave. Alors 3.36, bon c'est un peu loin mais bon pour un seul qui est difficile je m'en sors plutôt pas si mal. On va faire start. Ah, on va enfin pouvoir rentrer notre pseudo, c'est incroyable. Alors, du coup, vous voyez, c'est à l'envers. C'est à l'envers, c'est la première fois que je vois ça.
On a l'alphabet à l'envers. Pourquoi pas? Wow, you got a high score! C'est fini sur le logo Sega. Impressionnant quand même. Allez, pour le start button. Ce que je vous propose, on va faire une dernière petite course. Bon, peu importe le circuit en fait. On va essayer de. Essayer de vous montrer un arrêt au stand. J'ai envie de garder la même en fait, potentiellement. On va mettre la première course qu'on a faite au tout début. Et on va. Bah, rentrer dans les stands une fois. J'aurais aimé vous montrer d'autres circuits, mais évidemment, je les ai pas débloqués. Puisqu'il faut, à mon avis, terminer premier sur les trois événements. En tout cas, sur un des événements. Et c'est parti pour le premier circuit. Oh là, attention au rebond. Au rebond offensif du joueur. C'est marrant de dire ça dans un jeu de moto, de faire attention au rebond, quoi. C'est pas logique. En tout cas, il n'y a pas de rebond type marsouinage en moto. Ah, pareil, hein, caser le mot marsouinage en moto, faut le faire. Allez, on va faire un premier tour tranquille, on va s'arrêter au stand dès le début, ça sert à rien, mais on va le faire. J'aurais aimé vous montrer plutôt une victoire, mais voilà, je rentre au stand, pitwalk, vu du dessus. Et regardez, on a tout le monde hein, qui fait le changement. Enfin, il change pas les rouges, j'ai l'impression. En fait, il la nettoie juste et il rajoute de l'essence. Par contre, la sortie des stands, c'est un peu violent quand même. La sortie des stands, direct, il y a un mur. Oh là là, le carton, si le mec est pas mort là. Bon, je suis 9ème. On va essayer de remonter. Même si, à mon avis, avec le temps perdu dans les stands, ça va être difficile. Oh là 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 là, si j'effleure le mur, c'est fini. C'est vraiment à l'ancienne, hein, de toute façon. C'est très difficile de rejouer à ça maintenant. Hein. Mais pour ceux qui ont joué à l'époque, bah, c'est des petits coups nostalgiques aussi. Je crois qu'il y en a un qui est rentré au stand, mais pas du tout. Alors je freine jamais, parce que j'arrive pas à savoir comment on freine. Vu que, alors pour vous expliquer quand même le délire, c'est qu'évidemment je ne joue pas avec une manette de Saturne. J'ai une manette de Saturne, USB, mais en fait quand je joue à des émulateurs, etc., avec des consoles, j'ai tendance à oublier de changer les manettes. Donc je pourrais jouer avec manette Dreamcast ou jeu Dreamcast, jouer manette Saturne avec jeu Saturne. Je devrais le faire, mais bon, c'est une histoire de. Chaque fois j'oublie quoi. Oh là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est dommage. Je pense qu'on en revient un peu. On va finir 6ème. Bon, quelques petits détails graphiques sur le circuit. Avec les petites mouettes là sur le côté à un moment. Ce virage est le plus compliqué à prendre, voilà. Time extended. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a le présentateur qui est une voix masculine et la femme pour les. Une femme féminine, pardon, pour le. Pour les secteurs. C'est assez paradoxal. Enfin, en tout cas, ils se sont embêtés à prendre deux voix différentes pour ça. Ah, il me reste un tour encore. Oh, je vais trop vite à chaque fois. Je sais pas combien de fois je me suis planté dans le jeu, mais c'est énorme. Je pense que je me plante beaucoup moins à Burnout. Aïe aïe aïe, ben voilà, encore une fois. Alors là, c'était vraiment pas de chance. Alors, je crois qu'il y a un Hangout 96. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il y en a un. Ça serait intéressant de voir la différence, si c'est le cas. S'il est mieux que le 95. Ah, je reste quatrième, bon. Results! Voilà, quatrième chrono. Allez, on va remettre notre nom, on va s'appeler Neuf parce que j'ai envie d'aller plus vite. Ils se sont embêtés en plus à lister chaque lettre. Ils ont le sens de priorité quand même. Hein. Allez, on va finir sur le.
On va finir sur la démo du jeu. Du coup, c'était EngonGP sur la série donc Sega Saturn, sorti en 95. Bon, dire que ce jeu est bien ou pas bien, maintenant c'est un petit peu ridicule parce que pour l'époque c'était un jeu pas mal. Pour un jeu actuel, c'est vraiment un jeu pourri parce qu'il est pas contrôlable. Enfin, c'est mal fait. Donc, pour l'époque, je pense que ça doit être un jeu plutôt sympa. Après, sans plus, quand même. Hein, je pense qu'il devait avoir mieux. Surtout qu'après, on a vu Motor Racer sur Play 1 pas longtemps plus tard. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.